Bonsoir, bienvenue. Et oui, je sais, il est très tard pour faire un live comme ça. Mais c'est que j'ai eu une journée très chargée qui vient tout juste de se terminer. Et comme je viens de faire énormément, énormément de rangements, de ménages, de bagages chez moi, j'ai pas du tout sommeil. Et je me suis dit, tiens, je vais dessiner. En plus, j'ai lancé une lessive. Et donc, je ne peux pas dormir parce que j'ai une machine à laver qui tourne à environ 3 mètres de ma chambre. Donc voilà, on va dessiner en attendant que la machine soit terminée. Genre le mec à 1h30 live. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il y a mon téléphone qui vibre. Je crois que ça concerne mon voyage. Donc, je vous dis à dans 1 minute le temps de régler ça. Tout va bien. En fait, il s'agissait d'un roucoule. Oui, j'ai laissé mon téléphone à côté avec les Pokémon qui tournent. Je sais que c'est complètement inutile si je dessine en même temps, mais mon appartement a beaucoup d'avantages, notamment celui d'être très calme, celui d'être bien, grand, je l'aime beaucoup, d'être dans Paris, ce qui est un avantage négligeable, et aussi d'être un rez-de-chaussée, c'est-à-dire que le GPS est un peu dans la merde quand il faut trouver ma position, et que depuis que j'ai installé le jeu des Pokémon, mon personnage tourne en rond dans mon quartier, en faisant des kilomètres et des kilomètres sans que j'aie besoin de bouger. Très pratique. Alors, voici. Voici donc l'image que j'ai choisie aujourd'hui. Je ne regardais pas du tout ce que vous me disiez, en fait j'étais sur le mauvais écran. Voilà, je mets ça en plein écran pour voir ce que je fais. Voici l'image que j'ai choisie puisque je continue mon histoire où le personnage a dit dans la dernière... Il était à Londres et il a dit maintenant je vais partir en voyage, ce qui est le cas donc. Et je vais lui faire faire une escale à New York en utilisant des vieilles photos que j'ai prises. Et donc notamment celle-ci qui était une photo qui n'est pas du tout de New York, hein, qui est plutôt un survol de Montréal, si je me souviens bien. Et je vais essayer d'intégrer un monstre, je ne sais pas où, peut-être ici en bas, en train de marcher sur la plaine. Donc voilà. Et bienvenue en live de l'insomnie. Nous sommes maintenant 17. C'est intime. Donc peut-être que si vous avez des questions, je pourrais vous répondre plus facilement cette fois-ci. Petite remarque, comme à chaque fois, pour les questions. Si vous commencez par arrobas bouletcorp, je vois mieux parce que ça met un gros bloc noir qui me dit hey, « Hé, quelqu'un te parle ». Donc voilà. Simple, sinon, vous pouvez parler entre noctambules. Tout va bien. Donc je vais commencer, comme d'habitude, par faire un petit voile blanc qui va cacher la photo en dessous un petit peu mais pas trop. C'est juste le temps de dessiner mon personnage, histoire que je vois un peu ce que je fais. Quelqu'un m'a demandé pourquoi tu désatures pas la photo directement. Bah parce que c'est pareil, ça revient même. Puis j'aime pas, si je désature la photo, je dois la mettre sur un calque séparé, c'est-à-dire je peux pas la désaturer tant qu'elle est en arrière-plan. Et si je fais ça, on va voir les petits carrés derrière, ce qui m'agace beaucoup. J'aime pas du tout dessiner sur du papier quadrillé. Et donc il faudrait mettre un fond blanc derrière et on retombe sur nos pieds. Ça revient exactement au même de mettre un petit voile blanc par-dessus que j'enlèverai par la suite. Il me semble que même sans le arrobas, ça fonctionne genre boulet corp. Ouais, carrément, ça fonctionne à mort. Vous êtes des experts en Twitch, pas moi. Alors, on va commencer par chercher quelle gueule va avoir le monstre. Je pense que je vais faire du monstre poilu. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, remarquez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de vraiment qu'il soit géant. On va faire un truc. Tu peux la désaturer avec un calque de réglage. Ah, alors vous, avec vos
comment dire, technique de ninja, de graphiste. Vous êtes trop fort, mais je ne sais pas faire. Ah si, bah si, les calques de réglage, oui, si, Chrysalia m'a montré justement. Non mais pff, honnêtement, ça y est, là je l'ai fait, le calque blanc. C'est aussi simple. Un tripode. Eh ben écoute, oui, je vais faire un tripode. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas si vous connaissiez cette série, les tripodes, de John Christopher. Purée, le nom m'est revenu là comme ça. C'est un truc qui date de la nuit des temps. Et donc, John Christopher avait écrit une série qui était très inspirée de Wells, de comment dire, de la guerre des mondes, et qui s'appelait Les Tripodes, mais qui racontait un peu en fait l'histoire de la guerre des mondes, mais si les tripodes avaient gagné en fait. Et c'était, j'avais connu cette série parce que j'avais le jeu d'ordinateur sur Amstrad. Donc autant vous dire que ça ne nous rajeunit pas. Et c'était assez fabuleux. C'était un jeu d'ordinateur où il fallait retrouver des survivants et arriver à éviter les tripodes. Et on se baladait comme ça sur une map énorme et on voyait de temps en temps la silhouette des tripodes au loin. Je vous recommande cette série de livres si vous ne la connaissez pas. C'est un peu vintage maintenant. Et ça a été adapté en série télé par les Anglais, je crois. J'ai essayé de regarder la saison 1 là il n'y a pas longtemps et c'était pas extraordinaire, mais c'est un charme fou. C'est un peu un mélange donc entre la guerre des mondes et un peu Walking Dead aussi par moment. Un Walking Dead hyper clean. Mais dans la logique de Walking Dead, du genre on arrive à un endroit, on fout la merde, on continue un peu, on va à un autre endroit, on refout la merde. Donc voilà. Alors, pour le calque de réglage, ouais, je connais les amis. Mais c'est simplement que, bah voilà, j'ai pas le réflexe. Un petit calque blanc, ça revient au même, et puis après je l'enlève comme ça d'un geste. Alors, quelqu'un me dit bonsoir, que fais-tu? C'est une excellente question. Ce que je fais, c'est que je fais cette série de monstres pour ceux qui n'auraient pas suivi, parce qu'après tout, il y a peut-être des gens qui viennent ici pour la première fois. Donc, j'ai commencé il y a quelques semaines une série de monstres sur mon compte Instagram, instagram.com/bouletto. Une série de monstres intégrés à des photos. Et c'est devenu petit à petit une histoire, c'est-à-dire que. Petit à petit, le narrateur sous les photos raconte un peu ce qu'il fait et comment il voit ces monstres. Et on en est à une quarantaine. Et maintenant, là, je suis en train de faire celui du jour, tout simplement. La photo mystère de la boîte verte du jour ressemble beaucoup à une de tes petites bêtes. Alors, je ne l'ai pas vue. Pourtant, je suis la boîte verte. J'adore ce que fait ce type. J'ai cru comprendre que c'était un type. Donc j'adore ce que fait ce type, mais je n'ai pas vu sa photo mystère du jour. Alors, quelqu'un a visiblement des problèmes de connexion. Moi, j'ai rien changé dans les paramètres. Il paraît que la dernière fois, ça laguait un peu. Et alors, je crois que ça dépend de l'état des serveurs, en fait, hein, si je comprends bien ce qui se passe. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait un Twitch, j'étais sur un serveur français, ça marchait pas. Mais pas du tout, du tout. Donc je m'étais mis sur le serveur américain qui marchait très bien. Et deuxième fois que j'ai fait un Twitch, le serveur américain était extrêmement lent. Le serveur français ne marchait pas. Et je me suis mis sur un serveur londonien. Et donc là, je suis toujours sur le serveur londonien. Merci le BVI pour ton petit coucou au passage. Je regarde les rediffs YouTube en vitesse x2 parce que j'ai pas le temps pour les streams. Je comprends très bien, mais moi c'est juste que des gens m'ont dit que ça leur plaisait de voir des gens travailler en direct. Donc comme moi ça ne me dérange pas. Mais honnêtement, comme la plupart durent 2 heures, je trouve que ceux qui restent toute la durée ont vraiment beaucoup d'endurance. Alors, il paraît que Twitch est à la ramasse en ce moment. Bon ben voilà. Mystery solved.
Alors, prends le serveur allemand ou Pays-Bas, tu seras tranquille, me dit quelqu'un. Bon, là, ça a l'air de marcher. En tout cas, chez moi, j'ai pas de problème. Mais peut-être pour la prochaine fois. Ouais, non, chez moi, j'ai pas de lag, tout va bien. Je risque d'avoir un retour de micro si je fais ça. J'ai laissé du son sur la tablette qui me donne vos commentaires. Voilà. C'est réglé. C'est toi qui prends les photos d'habitude. Est-ce le cas ici aussi? Oui, c'est le cas. Tout le temps. En fait, c'est au cas où j'en ferai quelque chose après. J'en ai fait quelques posters déjà. C'est-à-dire, il y a certains monstres que j'ai mis sur ma boutique en ligne. Society6.com. Slash Boulet Corp. Voyez la pub habile que je fais. Donc ils sont déjà en vente. Et pour les mettre en vente, il fallait que les photos m'appartiennent. Je ne pouvais pas me permettre des photos qui n'étaient pas à moi. Donc voilà. Donc toutes les photos, c'est moi qui les ai prises. Et donc celle-là ne fait pas exception. J'ai raté la première question qui était, est-ce que tu suis des Twitchers, YouTubeurs? Twitcher, c'est un mot horrible, je vais essayer de ne plus jamais l'employer de ma vie. Twitcher ou YouTubeur, ça y est, j'ai réemployé le mot horrible. Comme ça, de mon côté, ben non, j'en suis pas trop en fait. Des YouTubeurs, on en a longuement parlé la dernière fois, hier, où j'expliquais que j'en suivais quelques-uns, mais que j'avais pas trop le temps de suivre tous leurs épisodes. Donc, ouais, mes chouchous, c'est évidemment Patrick Beau pour Axolotl et le fossoyeur de films, que j'aime beaucoup, et Florence Porcel pour ses vidéos d'astronomie, qui sont vraiment celles que j'attends avec le plus d'impatience. J'aime beaucoup les petits cours de Claire Fégreux aussi, qui fait un truc qui s'appelle Dans ton flux, où elle commente l'actualité à toute vitesse en faisant des associations d'idées un peu bizarres. Et ça me fait toujours sourire. Et je ne suis absolument pas objectif pour aucune de ces personnes, vu que ce sont tous des copains. Donc voilà. Donc là, à la demande, ça sera une sorte de tripode géant. Et comme j'étais un peu dans les monstres colorés, là, ça va être très dur de faire un monstre très coloré. Parce qu'avec la perspective atmosphérique, plus les petites saletés qu'il y a sur le hublot de l'avion. Je pense que tout est censé être un peu grisâtre, surtout que c'est un beau contre-jour. Mais je vais essayer de mettre quand même un peu de couleur. Je lui imaginais bien une tête un peu comme les babouins. C'est-à-dire avec un poil dense et noir, et puis soudain un visage très rouge avec des grosses dents. Alors le narrateur se déplace vers l'attracteur, effectivement. Là, il survole Montréal en direction des États-Unis. Il a une correspondance. Je vote pour les Twitch de Boulet pour la soirée qui sont un peu la déprime du dimanche soir. Oh, merde, il faut que j'évite de faire des Twitch le dimanche soir, du coup. Ça va être, ça, sinon ça va devenir comme le générique du cinéma du dimanche soir qui nous déprimait quand on était petit. Parce que ça voulait dire que le lendemain il y avait la rentrée. C'est pas du tout logique en fait hein, les tripodes. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Là j'ai du mal à organiser sa patte. C'est extrêmement bizarre. C'est. En termes de musculature, je sais pas trop comment ça bougerait les pattes en rythme en fait. Ça paraît pas très logique. Genre sa cartoon, le truc du dimanche qui fait la déprime. Alors ouais, mais moi sa cartoon, je suis un peu trop vieux. Donc voilà, il aurait une sorte de crête, comme un coq ou une poule.
Voilà, bon, bah le brouillon a été assez vite aujourd'hui, pour une fois. Et maintenant, on va passer au dessin définitif, le trait. Oh merde, je crois. Image, taille de l'image. Ouais, c'est légèrement trop. Oh, c'est légèrement trop petit. Bon, je vais faire un peu le barbare là. Je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois. C'est-à-dire que. Voilà. Non, pas des pourcents, des pixels. Je veux que mon image fasse 3000 sur 3000 pixels. Donc je vais l'agrandir un peu comme un barbare. Mais comme c'est une photo qui est un peu floue à la base, c'est pas très grave. Normalement, encore une fois, il ne faut jamais faire ça, agrandir artificiellement une image, parce que l'ordinateur extrapole les pixels manquants, et c'est absolument pas joli. Donc, je dis, ne le faites jamais, c'est la deuxième fois que je le fais en deux vidéos, mais c'est mal. Alors, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, ma grande nouvelle de la soirée, c'est que j'ai en plus terminé mon scénar. Donc, je travaille en ce moment sur un scénario de série de science-fiction et je viens de terminer le scénar du tome 1 qui faisait donc 160 pages et que j'ai envoyé au dessinateur et je suis bien content. Alors, le dessinateur en est encore à la page 100 en noir et blanc et il doit faire les couleurs après, donc c'est pas pour tout de suite la sortie. On a encore de la marge. Normalement, il va sortir en septembre 2017. Mais de mon côté, au moins, j'ai déjà terminé ça. Donc, au fur et à mesure, je pense que je ferai quelques teasers quand le dessinateur m'enverra des pages en couleur. Le dessinateur s'appelle Assane. Et si vous suivez la page Facebook, donc j'ai mis quelques images déjà là, cette semaine de la fameuse BD. Petite question boulet, Photoshop est-il plus indiqué qu'Illustrator pour le dessin? Alors, pas spécialement. Enfin, la différence, c'est que Illustrator permet de faire du vectoriel. Enfin, je crois que Photoshop a quelques outils vectoriels que j'utilise très très peu. C'est-à-dire qu'en gros, chaque trait est, au lieu d'être un trait en pixels, est une donnée mathématique. C'est-à-dire que si vous faites un trait comme ça et que vous l'agrandissez à 5000%, l'ordinateur va comprendre qu'il faut faire un gros bloc bien lisse comme ça, qui est l'épaisseur du trait agrandi. Enfin, je suis pas très clair dans mon explication. Mais bref, c'est une autre façon d'aborder le dessin, qui est très bien, mais avec laquelle moi je suis pas très à l'aise. J'ai jamais travaillé vraiment en vectoriel. C'est un truc qui m'enchante que moyennement. Donc, pour ce que je fais moi, Photoshop est beaucoup plus indiqué. Mais après, il y a plein de gens qui font des merveilles en vectoriel. Ah, vous êtes quand même nombreux hein, pour un dimanche soir à 2h du matin, je suis un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'on soit 12. Bienvenue à tous. Combien de scènes de foule avec des chevaux et des voitures, juste pour savoir si le dessinateur est content d'avoir reçu le scénario. Je lui ai fait ce coup-là, hein. Je lui ai fait ce coup un peu vache. Genre de lui envoyer un gribouillis avec marqué entrepôt avec 50 vaisseaux spatiaux et une foule dense de gens qui travaillent autour. Et où moi j'ai rien eu besoin de dessiner et lui il va devoir se coltiner tout ça. Et c'est toujours un plaisir. Mais il triche aussi, hein, il essaye de temps en temps. De temps en temps il m'envoie une scène en disant ah finalement je les ai mis dans un couloir qui discute au lieu d'être dans la grande salle. Parce que en fait il voulait dessiner moins de monde. Donc voilà, je pense qu'on se regarde comme ça un peu. En chien de faïence, l'un l'autre, comme ça, en disant, voyons voir ce que va faire l'autre pour essayer d'en faire le moins possible. Bonsoir de Montréal. Ah, mais oui, nous avons les Québécois. Eh bien, ce que je disais plus tôt, donc, le monstre du jour, il est en train de piétiner l'arrivée de Montréal. Parce que ça, c'est l'avion qui survole Montréal. C'est quand je suis allé. C'est une photo qui date. Du festival TICAF il y a quelques mois, et quand j'ai fait une halte à Montréal.
Bonsoir de Vancouver, encore plus à l'est. Ah bah oui, ça, Vancouver. Je crois que c'est pratiquement la même distance. Montréal-Vancouver, c'est pas presque la même distance que Paris-Montréal ou un truc comme ça. Mais je passe demain à Montréal et je vais même pas pouvoir sortir de l'aéroport, je ne serai qu'en correspondance. Et je suis très triste puisque Montréal est quand même une de mes villes préférées du monde. Je vous ferai coucou par la vitre de l'aéroport. C'est pas plus simple de dessiner avec un fond uni, me demande quelqu'un. Alors si, je trouve que ce serait plus simple. Mais là, en l'occurrence, je veux que le monstre soit intégré dans la photo. Donc, en fait, ça m'aide d'avoir le support visuel de la photo pour mieux l'intégrer dans la perspective. Et puis là, comme c'est un peu pâlot, ça ne me dérange pas du tout, en fait. Alors voilà, on me dit que c'est Vancouver-Halifax qui fait Halifax-Paris. Non, Vancouver-Halifax est plus grand que Halifax-Paris. Alors ça discute beaucoup de vectoriel et tout à l'heure de cinéma. J'avais envie d'en faire un dernier qui racontait au moins le départ en voyage du personnage parce que j'ai encore un petit souci de matériel informatique pendant mon voyage, c'est-à-dire que je ne sais pas si je serai en mesure de faire des Twitch, de faire du Twitch depuis là-bas. Donc je vais emporter ma tablette graphique au cas où. Essayer de m'acheter du matos là-bas. J'ai pris une webcam qui fait micro aussi au cas où. Donc, si j'arrive à installer ça là-bas, le son sera un peu moins bon en principe, mais on devrait s'en sortir. Oula, vous êtes sur des débats de spécialistes, quoi. Le crénelage des courbes sur Photoshop. Effectivement, moi, on m'avait dit qu'il y avait des nouvelles options maintenant. Je sais qu'il y a des outils qu'on peut rajouter à Photoshop pour changer le traitement du trait, par exemple. Parce qu'il y avait beaucoup de dessinateurs qui m'ont dit qu'ils étaient passés à Manga Studio, par exemple, parce qu'ils préféraient le lissage du trait que faisait Manga Studio par rapport à celui que proposait Photoshop. Et il y a quelques mois, j'étais chez mon ami Renaud, donc dessinateur aussi de. Enfin, celui qui. C'est le dessinateur de Aqua Blue chez Delcourt. Et lui, il avait rajouté plein de petits plugins et de petits outils à Photoshop comme ça. Alors beaucoup d'outils de 3D parce qu'il utilise pas mal de 3D. Mais aussi des outils comme ça de traits pour avoir des plus jolis traits. C'est-à-dire que c'était un truc qui gardait les traits en pixels comme ça, mais qui appliquait des opérations vectorielles dessus pour le lisser de manière plus harmonieuse. C'est-à-dire que là, par exemple, tous les espèces de petits défauts de mon trait, il les aurait plus ou moins gommés. Et on peut le paramétrer pour qu'il gomme plus ou moins ces petits défauts-là. Alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Leinazumi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est peut-être du truc dont je parlais que je ne connaissais pas le nom, mais j'arrive pas à lire toute la conversation. OpenToons du studio Ghibli qui est maintenant dispo. C'est le OpenToons, c'est le programme de dessin animé des studios Ghibli, c'est ça, qu'ils ont mis en accès libre. On m'en a beaucoup parlé. J'ai vu une ou deux images et ça avait l'air d'être une sacrée usine à gaz. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'animation et qui l'ont déjà testé. Mais moi, j'ai vu l'interface et j'étais assez intimidé. Et je me suis dit, oulala, je pense qu'il va me falloir 10 ans pour apprendre ça, quoi.
Epilost, est-ce que tu veux bien répéter le nom du logiciel? Non, je ne peux pas en fait, parce que je ne suis pas sûr que c'était de ça dont il parlait, j'avais que la moitié de la conversation. Et là, ça s'est perdu dans les méandres du chat, donc essaye de remonter sur le chat, et tu verras peut-être le nom quelqu'un l'avait donné. Mais je ne sais pas s'il parlait de ça. Alors, quelqu'un me dit, on dirait qu'être de nos jours, être dessinateur implique d'être un peu technophile. Ben, on est un peu obligé de s'y mettre, c'est assez marrant. Là, on était vraiment. Moi, j'ai vu la transition d'une époque à l'autre. La mauvaise nouvelle pour les dessinateurs, c'est que maintenant, on nous demande de gérer une grande partie du travail qui, normalement, aurait été du ressort, de la fabrication du livre. Et il y a plein de choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on est maintenant obligé de faire. Il y a des éditeurs qui envoient des notices sur les profils colorimétriques qu'on doit utiliser, sur des choses comme ça, sur le traitement du trait noir, sur le fait qu'il faut rendre ces pages séparées en plusieurs calques avec certaines résolutions, certaines contraintes comme ça. Alors qu'avant, bah, voilà, on aura envoyé notre page et puis l'éditeur il se démerde avec et il y aurait eu des gens qui auraient été payés pour le faire. Maintenant, ces gens-là ne sont plus payés pour le faire puisqu'on demande aux dessinateurs de le faire et les dessinateurs sont beaucoup moins payés qu'à l'époque. Comme quoi, tout va bien. Mais c'est assez marrant parce qu'on peut encore jouer sur les vestiges de ces anciens contrats et tout. Par exemple, on peut réclamer des bleus à son éditeur. Les contrats classiques stipulent que l'éditeur doit fournir des bleus au dessinateur pour qu'il puisse faire ses couleurs. Qu'est-ce que c'est que les bleus? C'est quand on faisait un dessin, autrefois une planche en noir et blanc de bande dessinée, on pouvait l'envoyer à l'éditeur et l'éditeur devait à ses frais l'imprimer en bleu pâle sur du bon papier pour que le coloriste puisse ensuite faire les couleurs sur ce tirage et qu'on puisse ensuite remettre le calque noir et blanc par-dessus. Et donc normalement ça c'était vraiment, ça engageait normalement les frais de l'éditeur. Et certains contrats n'ont toujours pas enlevé ça parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui dessinent encore au traditionnel, notamment les vieux. Et donc là on peut encore troller son éditeur en exigeant des bleus si on veut. J'ai voulu le faire une fois et c'était pour une raison de manque de temps, j'ai pas pu le faire. C'est-à-dire j'ai voulu troller Glénat en leur demandant des bleus pour un album que je voulais faire à l'aquarelle. Et en fait, ils m'ont dit oui, mais là où ils ont un peu botté en touche, c'était qu'ils m'ont expliqué qu'il fallait l'envoyer à je ne sais pas quel studio qui allait se charger des scans et ensuite des bleus. Et c'est un truc de photogravure et que ça allait prendre 4 semaines. Et comme je devais rendre l'album un peu en urgence, je n'avais plus le temps de les réclamer. Autrefois, quelqu'un me demande c'était quand autrefois. C'était il y a une dizaine d'années. Moi, j'avais encore ça dans mes contrats. Le dernier Ragnarok, enfin celui que j'ai fait à l'aquarelle, il doit dater de 2010 ou 2011 et j'avais encore ça dans mon contrat. Je pouvais demander un bleu. Là, j'ai pas vérifié dans mes contrats récents, j'avoue. Je me souviens plus. Je les ai lus, mais je me souviens plus s'il y avait cette histoire de bleu qui était encore là. Quelqu'un me demande, mais où va tout l'argent alors chez l'éditeur? Bah, chez l'éditeur, tu viens de répondre à ta propre question. Pour répondre aux questions, tu suis toutes nos discussions. Non, je tourne la tête de temps en temps. J'ai une tablette ici avec le flux vidéo pour vérifier que ça n'a pas coupé et la discussion sur le côté. Donc j'essaye d'attraper. C'est pour ça que je dis de mettre mon nom dans la phrase. Comme ça, quand je vois le gros carré noir avec marqué mon nom dedans,
eh ben je vois que quelqu'un me parle. Et s'il y a une question, j'essaye d'y répondre. C'est quoi que tu dessines? Ah, c'est vrai qu'on est 129, donc on est beaucoup plus nombreux que tout à l'heure. Pour les gens qui arrivent, je vais le rappeler encore une fois, j'ai commencé il y a quelques semaines une série de monstres sur ma page Instagram qui consiste donc, je vais vous la montrer, ça sera plus simple, instagram.com/bouletto, si ça veut bien. Oui, parce que comme je suis connecté en vidéo, ça ralentit beaucoup, beaucoup ma connexion. Donc je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire ça en fait. Ouais, je crois que je vais oublier parce que ça n'a pas l'air de vouloir. Enfin bref, je dessine une série de monstres intégrés comme ça à des photos. Et celui-là, c'est le 46e. Donc c'est un monstre géant qui piétine. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'arrivée à Montréal, ça doit être... voilà. En tout cas, c'est une photo qui a été prise à Montréal, au-dessus de Montréal. Ah oui, d'accord, en fait, c'est quelqu'un qui voulait juste un dézoom. Alors, il faut imaginer qu'il est tout léger, je pense, pour faire cette taille. Parce que je suis pas sûr qu'un monstre de cette taille-là pourrait survivre à son propre poids. On a eu, je crois que c'était sur le premier Twitch qu'on a eu toute une discussion sur la crédibilité des monstres, sur quel monstre pourrait fonctionner ou ne pourrait pas fonctionner. Et celui-là, par exemple, pourrait vraiment absolument pas fonctionner en principe. C'est-à-dire que, à moins d'être extrêmement, extrêmement léger, c'est-à-dire d'être limite rempli de gaz, faire cette taille-là et être supporté par des petits pylônes comme ça, il faudrait vraiment qu'il ait il faudrait vraiment qu'il ait des pattes faites en nanotubes de carbone et que lui-même soit vraiment fait d'une structure extrêmement légère, parce qu'il devrait s'écrouler sous son propre poids. Et en plus, dès le moment où on a un animal qui fait cette taille-là, il faut se poser la question de son alimentation. Où il trouve l'énergie pour se déplacer. Donc on peut imaginer qu'il prend l'énergie, qu'il marche à l'énergie solaire, mais alors il doit être extrêmement performant. Parce que la photosynthèse, a priori, ça permet pas de galoper pendant 50 km. Et puis aussi, il y aurait tout simplement une question d'intelligence, c'est-à-dire que même un diplodocus un diplodocus qui, à cette échelle, ferait quelque chose comme ça, ben un diplodocus, il avait besoin d'avoir un cerveau relais au milieu de son corps, parce que sinon, les signaux électriques n'étaient pas assez forts pour le parcourir en entier. Donc là, j'ose même pas imaginer la lenteur des signaux électriques. Ce monstre serait extrêmement, extrêmement, extrêmement lent. On pourrait pas imaginer un équivalent du plancton en aérien. Eh ben écoute, j'ai fait une note de blog qui doit dater de 2006 qui s'appelle Plancton Céleste et qui raconte exactement ça. Alors, ah ben ça y est, ça a marché ma page de monstre. Donc, pour les gens qui connaîtraient pas, bim, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Tous les précédents monstres sur ma page Instagram avec. Bon, ça met du temps à charger, donc je vais pas tous vous les montrer. Mais voilà, c'est tous les précédents monstres. Alors oui, j'aurais pu le dessiner sur Mars. Peut-être qu'avec une planète avec une moindre gravité, il aurait eu plus de chances de survivre. Oui, idem pour le sang, me dit quelqu'un. Effectivement, je crois que... Pour en plus pomper le sang à ses hauteurs, si tant est là, ça soit une créature, il faut imaginer qu'elle a quand même un système de circulation quelconque. Pour pomper du sang à cette hauteur, bah, il faut y aller, quoi. C'est pas un hasard si les fusées, on les propulse avec de l'hydrogène, quoi. C'est que...
c'est qu'il faut une sacrée énergie pour lutter contre la gravité terrestre. Ce côté aérien et cette énorme gueule me fait penser au film Les Langoliers, me dit Epilost. C'est pas faux. Les Langoliers, mais ils flottaient en l'air, quoi. C'était juste des énormes boules avec des dents partout. J'avais adoré cette nouvelle. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Les Langoliers, c'est une nouvelle de Stephen King, qui était dans Minuit 2 ou Minuit 4, je ne sais plus lequel des deux. Et qui, c'est un peu le mythe du triangle des Bermudes, c'est un avion qui se perdait dans une sorte de dimension parallèle, qui était une copie conforme de notre monde, sauf qu'il n'y avait absolument personne, et qu'aucune forme d'énergie ne fonctionne vraiment, c'est-à-dire que quand ils allument l'électricité, les ampoules brillent faiblement, mais du genre une lumière un peu marronasse, sans peps, quand ils essayent de mettre le feu à quelque chose, ça brûle pas. Et en fait, au loin, à l'horizon, il voit s'approcher de plus en plus un nuage compact de créatures dont ils ne savent pas ce que c'est, qui avancent comme un essaim, qui sont donc les langoliers. Et je ne vais pas raconter la fin au cas où vous voudriez le lire un jour, mais en fait, il y a ces créatures qui sont absolument extraordinairement bien décrites dans le livre, et ils ont fait une adaptation en film de cette nouvelle, qui s'appelle donc Les Langoliers, c'était un téléfilm, je crois même. C'était au début des années 2000 ou fin des années 90, même, je sais plus. Mais toujours est-il que si vous voulez voir de la vraiment très très vilaine 3D qui a mal vieilli, c'est assez spectaculaire. Voilà, bah, Chrysalia, exactement. Un téléfilm en trois parties. Qui a été diffusé sur RTL9, extrêmement kitsch et avec une 3D tellement vilaine que maintenant elle fait sourire. Mais bon, à l'époque, hein, c'était de la bonne cam. Mais la 3D, c'est très ingrat, hein, il faut que ça soit vraiment très bon. Je pense que ça va être comme pour les effets spéciaux de Ray Harryhausen. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Harryhausen, c'est le génie de l'animation en image par image, qui a fait toutes les animations des vieux films, genre Le Choc des Titans, Simbad le Marin, etc. Et qui est absolument fabuleux. Et qui avait comme ça, ces animations ont un charme absolument fou, parce qu'elles étaient vraiment faites avec des marionnettes, image par image. Il y a eu plein de documentaires sur lui, et c'est absolument un type fascinant. Il a fait notamment un film que j'aime beaucoup, qui est hélas un peu qui est tombé dans l'oubli, qui s'appelle La Vallée de Guanji. Et qui raconte l'histoire d'une vallée où des dinosaures ont survécu jusqu'à nos jours, sauf que ça se passe dans le Far West. Donc, en gros, le pitch du film La Vallée de Guanji, c'est des cow-boys avec des lassos et des flingues contre des dinosaures. Donc, autant dire que ça a été longtemps un de mes films préférés. Et il est un peu daté, comme ça, un peu kitsch, un peu lent et tout. Mais je l'aime beaucoup. Et je pense qu'avec la 3D, il va y avoir un truc un peu comme ça, c'est-à-dire que maintenant la 3D est trop parfaite, donc on a un peu de mal, il y a plein de trucs dont on ne voit même plus que c'est de la 3D, mais je pense qu'il va y avoir des nostalgiques qui vont être tout émus comme ça par la mauvaise 3D, ou enfin la 3D où on voyait que c'était de la 3D, ou c'était de la vilaine 3D. Et il y a vraiment plein de films comme ça qui ont essayé, et c'était louable, mais où maintenant ça a vraiment très très mal vieilli. Je pense notamment à Alien 3, avec le monstre où l'alien est un peu un chien, là, et où ça se passe dans un pénitencier dans l'espace. Et la 3D est vraiment, vraiment très vilaine. Enfin, en termes d'animation et de modélisation, c'est pas mal, mais le rendu est pas beau, quoi. Enfin, on voit l'intégration, on a l'impression que ça a été scotché par-dessus. Si, voilà, alors, pour revenir à la vallée de Guanji, oui, c'est là où il y a les dinosaures partouzeurs de droite ou de gauche, je sais plus. C'est ça, c'est la vallée de Guanji dans la classe américaine. Voilà, je sais plus quel est le premier film à vraiment avoir utilisé de la 3D. Vraiment, je sais pas par exemple dans Tron comment étaient faits les effets spéciaux, si c'était déjà de la 3D ou pas du tout. J'imagine que oui, mais je suis pas sûr et je sais pas si c'est le plus ancien. Je crois que un des plus anciens, en tout cas un des plus spectaculaires qui m'a le plus marqué, c'était le Sherlock Holmes enfant, c'était le mystère de la Grande Pyramide, où il y avait un moment
un chevalier qui sortait d'un vitrail comme ça, et c'était assez impressionnant. Et il y avait évidemment le clip incroyable de Money for Nothing de Dire Straits, avec les personnages tout cubiques. Les animaux préhistoriques partouzeurs de droite, exactement. La plus vilaine 3D que j'ai vue dans un film d'il y a quelques années, c'est les singes de Jumanji, me dit Waza. Waza. Ça m'a pas frappé, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et bon, j'ai trouvé que la 3D était un peu datée, mais c'est pas celui qui m'a fait le plus mal aux yeux. Ah, là on est parti sur la fameuse Uncanny Valley, la vallée dérangeante. Le truc où les personnages ont l'air presque réels, mais ils le sont, mais pas tout à fait. Alors on me dit que le premier film en 3D avec de la 3D, c'était Star Trek, La Colère de Khan, suivi par Tron. Eh bien, très bien. Je suis en train d'en chercher d'autres du coup, où la vilaine 3D m'a frappé. Mais la 3D a évolué tellement vite, on se rend même plus compte. Mais déjà, si vous avez YouTube sous la main, là par exemple, repassez-vous un extrait du premier Toy Story. Et regardez juste après un extrait du Toy Story numéro 3. Et purée, le gap qui est entre les deux, c'est absolument incroyable. Et alors le pire, c'est le vieux dessin animé de Pixar qui a servi d'inspiration à Toy Story, où il y a un petit soldat, un petit musicien, je crois, c'est un petit homme orchestre qui prend vie et qui est poursuivi par un bébé. Je sais plus comment s'appelle, je sais plus comment s'appelle ce petit court métrage, mais il doit être sur YouTube aussi. C'est un des tout premiers Pixar. Et le moment où arrive le bébé. Mais je vous mets au défi de ne pas hurler de terreur, quoi. Le bébé, il est dégueulasse. Il est difforme, on dirait. Je sais pas ce qu'on dirait. On dirait une poupée fondue. Enfin, c'est absolument immonde. Alors, Quelade. Alors, d'abord, Clitoring, qui me demande, quand tu commences ce type de dessin, tu penses à un monstre, ensuite tu choisis une photo, ou alors tu choisis une photo et ensuite tu adaptes un monstre. Ben, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que de temps en temps, je prends une photo et je me dis, là, je verrais bien tel monstre dessus. Et parfois, j'ai envie de faire un monstre bien particulier et je me dis, il faudrait qu'il soit dans tel cadre et j'essaie de trouver la photo qui correspond. Et là, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un monstre géant et aussi il me fallait pour mon histoire une photo vue d'avion. Et donc voilà, j'ai fait un mélange. Maintenant, Quelade qui me demande si en convention et festival vous êtes rémunéré autrement que par la bouffe, le boire, le dodo et les encouragements. Non, pas encore. Il y a beaucoup de débats en ce moment avec le syndicat des auteurs, où justement on essaye de discuter entre auteurs pour voir s'il ne serait pas judicieux de demander quand même à ce que les auteurs soient payés pour faire des festivals, pour faire des dédicaces. Pas par le public, mais par les festivals qui invitent et par les éditeurs. Et je peux vous dire que ce n'est pas un débat serein. Mais pour le moment, en France, la norme, ce qui se fait bien, j'ai envie de dire, c'est on défraie l'auteur, c'est-à-dire on lui paye l'hôtel, on lui paye le train, la bouffe évidemment, la boisson, tout ça. C'est-à-dire que normalement un auteur qui est invité ne paye absolument rien. Et en échange, l'auteur occupe une table de dédicace et dessine pendant tout un week-end. C'est comme ça que ça se fait. Après, quelquefois, des auteurs font des animations qui, elles, sont payées, il y a un tarif. Le tarif de la charte des auteurs, je ne sais plus combien c'est exactement la demi-journée, mais quand on fait des interventions dans des écoles ou quand on fait des animations, des conférences, c'est censé être payé et c'est payé la plupart du temps. Donc voilà. Après, ça c'est en France. Le système américain est très différent, par exemple. C'est-à-dire que moi, quand je dédicace en Amérique, je fais payer mes dédicaces aux gens, c'est-à-dire les gens qui viennent donnent quelque chose pour la dédicace. C'est pour une raison très simple, c'est que en convention en Amérique, j'ai déjà eu des auteurs américains qui m'ont demandé de faire payer mes dessins, qui m'ont dit que c'était pas juste pour les autres auteurs de pas les faire payer parce que tout le monde fait payer ses dessins.
La raison est simple, c'est un peu comme le pourboire là-bas, où en France le pourboire est facultatif, mais là-bas il est vraiment, normalement on donne 10 à 15% quand on sort d'un resto, c'est un must, comme au Québec. Et c'est parce que les auteurs aux États-Unis payent leur emplacement. Alors que nous, en France, quand on va dans un festival, la plupart du temps, c'est soit l'éditeur, soit le festival qui nous invite, et on n'a pas à payer notre table. Mais comme la plupart des auteurs américains sont très indépendants, ils doivent payer leur emplacement, payer une table pour le week-end. Et donc ça fait que déjà, ils vont se démener pour vendre le plus de trucs possible. Ils vont faire beaucoup de produits dérivés, de t-shirts, de badges, de dessins de commandes. Et donc ça ne serait pas correct de pas les payer, puisque eux, ça leur sert à rembourser leur voyage et à rembourser leur emplacement. Mais en France, voilà, comme on ne paye pas notre emplacement ni notre voyage, on va pas, on, la tradition faisait qu'on ne dessinait pas, qu'on n'était pas payé. Mais on trouve de plus en plus que c'est pas juste, parce que comme je disais, les auteurs sont de plus en plus mal payés par les éditeurs, par la profession d'une manière générale. En plus, on a pas mal de problèmes avec les normes européennes, notamment par exemple pour les retraites complémentaires ou des trucs comme ça. C'est un peu technique, mais vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il que du coup, là, les auteurs pensent demander de l'argent pour leur dédicace, parce que c'est un week-end où ils ne travaillent pas. Donc c'est un manque à gagner assez conséquent. C'est aussi des heures de travail, puisque les dédicaces, c'est quand même relativement fatigant. C'est quand même pas rien. Et donc voilà. Et c'est de la promotion et pour l'éditeur, et pour le festival, et pour le libraire qui vend les livres, etc. Alors après, il y a des arguments pour et des arguments contre. Dans les arguments contre, par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est de la promotion, justement, donc l'auteur promeut ses livres et il devrait être content. Et pour vous donner une idée, vu ce qu'on gagne sur un livre, il y a des auteurs qui se sont amusés à faire le calcul, il faudra en vendre 250 sur un salon pour rembourser le train. Donc voilà, c'est pas non plus monstrueux, hein, comme promotion. C'est-à-dire que la journée de travail, elle serait remboursée, mais il faudrait vendre des centaines de livres. Et on vend pas des centaines de livres dans un salon, à moins d'être une star internationale, hein. Même les moments où j'ai eu le plus de monde en dédicace, au moment de la sortie d'un nouvel album et tout, quand j'en vendais 150, j'étais vraiment, vraiment incroyablement content. Donc voilà. Sinon, l'autre argument contre, c'était que des auteurs avaient envie que les festivals restent un peu de la glande, et qu'ils avaient peur que s'ils étaient payés, eh ben, on leur demanderait, comment dire, des heures de présence obligatoires, et qu'on leur demanderait une certaine rentabilité, c'est-à-dire de rester vraiment à leur table, et ils pourraient plus se barrer pour aller boire un coup quand ils en ont envie. Ça, c'est un autre argument que je trouve un peu fallacieux, mais bon. Alors, du coup, j'ai perdu complètement le fil de votre conversation. Les dédicaces aux États-Unis, quelqu'un me demande combien je les faisais payer. Ça dépendait des dessins, en fait. J'étais beaucoup moins cher que les autres, hein, parce que je me disais, moi, je suis invité, donc je ne vais pas faire payer le même prix que les autres. Mais je m'alignais quand même un petit peu sur eux. Et je sais plus combien c'était, un petit dessin très rapide, du genre une tête de bonhomme en noir et blanc, c'était 10 $. Un dessin en couleur, enfin un dessin un peu plus soigné, ça pouvait monter à 50, et 80 $ pour une petite aquarelle assez rapide. Sachant que la plupart des gens m'ont donné plus que ce que je demandais. C'est-à-dire que quelquefois je demandais 80 $ pour un dessin, et les gens m'en donnaient 100 ou 150 parce qu'ils estimaient que c'était plus juste. Donc voilà, la dernière fois que j'ai fait une dédicace, je suis reparti avec 700 $, quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Après, j'ai rencontré des auteurs beaucoup plus connus que moi aux États-Unis, et je donnerai pas de nom parce que c'est pas correct, mais j'en ai connu un qui repartait avec 15 000 $ à la fin d'un festival.
quelques petites pustules pour ce monstre qui va être bientôt fini, là. Il n'y a plus qu'à mettre la couleur. Bonsoir, Bookman 13 qui arrive. Je vois que quelqu'un arrive en disant bonsoir. Penses-tu que faire payer les dédicaces permette de réduire l'affreux marché du commerce d'autographes? Non, je pense pas que ça changera quoi que ce soit, puisque à la limite, ils les revendront plus cher. C'est-à-dire qu'ils les achèteront une certaine somme et ils les revendront en ajoutant cette somme à la somme à laquelle ils les auraient vendues. Je sais pas, moi je t'avoue, j'ai jamais eu de gros problèmes avec ce monde-là. J'ai dû en calmer un ou deux, j'ai eu quelques engueulades assez virulentes à ce sujet sur Internet, mais globalement, j'ai pas eu d'énormes abus. J'en ai eu quelques-uns, mais j'intéresse pas trop les collectionneurs traditionnels, heureusement. Mais alors les gens demandaient donnez-moi pour 50 dollars. Ouais, non, mais pas tout à fait, non, c'est pas comme ça. En gros, je leur dis. La plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je faisais des prix suggérés en disant payez ce que vous voulez. J'ai eu des gros bâtards, ça, je disais payez ce que vous voulez et qui me donnaient rien. Ils disaient, ah, vous m'avez dit payez ce que vous voulez. Et puis, tu vois le gros bâtard qui repart avec ton dessin sans rien te donner. J'ai vu ça. Le gars sans scrupules. Et puis j'ai eu des gens à qui j'avais fait un dessin censé être à 10 dollars dans mes prix suggérés. Et le gars me donnait 50 dollars en disant, ah ouais, non, c'était trop bien. Alors, c'est le premier dont j'ai du mal à appréhender l'anatomie, en fait. Au niveau de la partie gauche du corps, c'est une bouche, dents en bataille, mais les ronds au-dessus. Ah ben c'est parce que tu vois pas encore les couleurs, c'est-à-dire que ça c'est des espèces d'écailles géantes, ça va être une sorte de peau un peu texturée, et les ronds là ce sont des yeux. Donc il y en a trois de ce côté, et j'imaginais qu'il y en avait trois de l'autre. D'ailleurs je pourrais directement les faire en noir parce qu'ils vont être noirs. Donc ça ce sont les yeux. Et le reste c'est une sorte de texture un peu éléphantesque. Et les ronds, il y a beaucoup de pustules aussi. Bon appétit si vous êtes à table. Et voilà. C'est marrant sur le brouillon, les pattes font des espèces de veines. Ça fait des espèces de veines sur les pattes. Ah oui. Alors, bah tiens, je vais enlever le brouillon pour qu'on y voit plus clair. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va pouvoir mettre en couleur. Pour les couleurs, je pense que je vais pas aller dans le trop vif parce que ça sert à rien. C'est censé être un monstre un peu. Ah, quoique. C'est pas facile d'imaginer ce que serait la lumière à cette altitude en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous du niveau des nuages, à mon avis, ça va être très sombre. Mais une fois qu'on passe au-dessus des nuages, ça pourrait être beaucoup plus clair en fait. Alors, Niscomatose. Qu'est-ce qu'il a dit, Niscomatose? Le modèle se calquerait plus sur celui de la musique, du coup les artistes gagnent plus en concert que sur les ventes d'albums. Oui et non, c'est-à-dire que surtout en ce moment où il y a beaucoup de débats là-dessus, je pense que c'est vraiment très important de se rappeler que la musique et les livres, c'est quand même vraiment, vraiment pas du tout la même chose. Et que même si les modèles économiques peuvent être similaires sur certains aspects, pour moi, la comparaison s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et de toute façon, ce dont je parlais, là, les dédicaces payantes, même si ça se met en place, ça sera des plus. Mais ça permettra, il faudra en faire tellement pour permettre aux auteurs de vivre que je pense pas que ça devienne un modèle, en fait. Alors, sélection, modifier, contracter. Donc là, pour vous expliquer un peu ce que je fais, pour ceux qui ne font pas de dessin, j'ai sélectionné, c'est-à-dire que là, vous voyez ce petit truc qui clignote autour du monstre, ça représente la sélection. Donc là, tout ce qui est rouge, je peux dessiner dessus, tout ce qui ne l'est pas, je ne peux pas dessiner dessus. Démonstration avec un gros feutre noir. Voilà. Et maintenant,
nous allons mettre un calque couleur. Cette fois-ci, je vais mettre les noms des calques. Et on va commencer par une couleur très sombre qu'on va récupérer là sur l'image. Voilà. Alors, il va falloir la faire. En fait, là, ça demande un petit effort intellectuel, c'est-à-dire que je vais d'abord essayer de le faire d'une certaine couleur, et ensuite, par-dessus, j'essaierai de mettre l'espèce d'effet blanchâtre de la vitre de l'avion. Donc, pendant tout le temps où je vais dessiner dessus, il va être un peu moins bien intégré que ce qui sera à la fin. Il faut garder ça en tête, c'est-à-dire vous pas vous dire « Ah ouais, non, mais là, on voit, il est trop collé par-dessus, c'est pas beau. » Il va être beaucoup, beaucoup plus éteint que ça. C'est-à-dire que je pense que je vais essayer d'arriver à un stade où on voit où il va être très grisé avec ce niveau de détail-là qu'on voit derrière dans l'arrière-plan. Hop. Alors ça peut être pas mal, mais il faut que ça soit moins violent que ça. On va faire en plusieurs couches. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Plutôt de ce côté-là. C'est bon. Vous savez-vous que vous pourriez devenir partenaire Twitch, avoir des abonnements, des dons, et même si je me doute que ce n'est pas votre intention dans un premier temps? Alors, ils m'ont contacté pour me demander si je voulais être partenaire. J'ai demandé en quoi ça consistait, et en gros, ils m'ont expliqué que c'était un truc d'exclusivité de diffusion avec eux contre la rémunération des vidéos. Mais alors, je sais pas si j'ai envie de. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. J'ai pas l'intention de diffuser ailleurs des vidéos, donc je sais pas, mais si l'occasion devait se présenter et que ça pouvait m'embêter, est-ce que ça vaut le coup pour les 3 francs 6 sous que ça va me rapporter? Je ne sais pas. Maintenant, s'ils me disent, mais attendez, là, vous avez 127 personnes qui regardent, on vous paye 1 million, là, peut-être que je réfléchirai, mais je pense pas que ça se passe comme ça. Donc pour le moment, ils ont été très gentils, j'ai discuté avec eux par mail, mais je leur ai dit que pour le moment, de toute façon, j'allais pas en faire beaucoup. Et que du coup, la question ne se posait pas encore vraiment de manière urgente. Mais on verra, je leur demanderai un peu en quoi ça consiste. J'essaierai de faire un rendez-vous avec eux. Ils m'ont proposé un petit rendez-vous, donc je verrai. Tu estimes en avoir pour combien de temps avant de finir ton monstre? Je ne sais pas du tout. Quelquefois, j'ai l'impression d'avoir bientôt fini, et puis en fait, il reste 1 heure de boulot, mais... Là, je pense que ouais, bon, d'ici 3 quarts d'heure et 1 heure au maximum, j'espère que ce sera fini, quoi. Mais je peux pas en jurer si c'est ça la question. Hop. Alors, je vais arrêter ça parce que c'est pas du tout judicieux ce que je suis en train de faire. Alors, c'est tes heures normales de dessin ou c'est exprès pour Twitch ou c'est la faute au connard de cerveau? Non, non, normalement je l'ai fait plutôt en fin d'après-midi, mais là aujourd'hui, les circonstances un peu particulières ont fait que c'était le seul moment où je pouvais faire ce dessin et que j'avais envie de le faire. Et donc voilà, c'est un peu une coïncidence. Alors, ah ben, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer à nouveau le Epilost, tu es en train de m'expliquer les, comment on appelle ça, les masques de fusion, c'est ça le terme, qu'on m'a déjà expliqué, ouais, et effectivement, mais bon, une sélection ça va quasiment aussi vite, et là comme tu vois, on voit pas le petit bord clignotant parce que j'ai fait CTRL-H, comme je disais, tout le monde a des réflexes en fait sur Photoshop qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, comme j'ai appris tout seul, Photoshop, j'ai pas appris les calques et les trucs trop compliqués, les calques de fusion et les trucs trop compliqués. J'ai appris en faisant des sélections, donc j'ai tendance à utiliser plutôt ça. Alors.
Alors, Odyssée, ils prennent 70%, de quoi parlez-vous? Ça fait 6 ans que je suis sur Twitch. Ah d'accord, le partenariat, ils prennent 70% des dons. Mais moi je demande pas de dons en plus, donc ils ont 70% de zéro. Donc c'est un peu dommage pour eux. Et non, je le ferai pas quoi. Explique-moi donc cette histoire de 70% des dons Odyssée et, s'il te plaît. Ça m'intrigue. Pas du tout sûr que mon nombre soit crédible. Il parle du partenariat Switch. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que je demande, ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne ces trucs-là. Donc si Odyssée, tu l'as fait, dis-moi comment ça marche. Quelle résolution de le dessin 30 pixels par centimètre? Non, 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 là je suis en 300 dpi, donc en pixels par centimètre, je ne sais jamais combien ça fait. Écoute, là, en pixels par pouce, ça fait 300, pixels par centimètre, ça fait 118. Voilà. 3000 pixels sur 3000 pixels, ou en centimètres, si tu préfères, 25,5 et sur 300 dpi. Alors. Non, ils se trompent, ils prennent pas 70% des dons si tu passes par PayPal. D'accord, je comprends pas grand-chose à ce que vous racontez sur cette histoire de dons, d'abonnement, de publicité. Twitch touche une partie des abonnements, mais comment ça, une partie des abonnements? D'accord, je comprends mieux. Ok, donc si je comprends bien, ils mettent en avant le contenu. Donc on a plein d'abonnements, on a plein de gens qui viennent s'abonner. Les gens donnent des sous, en fait, ils font des, c'est quoi, il y a un système de Patreon, de dons, quoi, et ils en prennent 50%, quoi. D'accord, ouais, bon, bah, on m'explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vais continuer à le faire dans mon coin sans chercher à me mettre en avant et à pas toucher d'argent et à ne pas en reverser. Et désolé pour la petite roue de réglage de la qualité, du coup. Ah ok, les dons, c'est pas quelque chose qu'on demande, c'est automatique en fait. D'accord. Ok, je vois un petit peu ce que vous m'expliquez. Donc leur système de dons là m'intéresse pas tellement en fait. Ça marche pas ce que je suis en train de faire. Ça m'agace. Voyons voir comment je peux rattraper ça. Je pense qu'à ce stade-là, il faut repartir sur des bases saines, puisque j'ai merdé. Ok, là c'est mieux. Ok, ben merci en tout cas pour toutes ces infos.
donc la petite roue. Et pour le plastique de la tablette, ça se passe comment? Quel plastique de la tablette? Ah, le truc où j'avais envie d'arracher le plastique de la Cintiq. Ben maintenant je pourrais en plus, parce que je ne l'utilise plus, vu qu'elle est cassée, je pourrais enlever le plastique, faire une vidéo ASMR où j'enlève le plastique enfin de cette Cintiq. Mais non, parce que ces espèces de feuilles de protection plastique, elles coûtent très cher. Et je rigole pas, quoi, je crois qu'elles coûtent 70 € ou un truc comme ça. Donc je m'étais dit que j'allais pas l'arracher, mais que si j'avais un copain qui avait une Cintiq similaire à la mienne qui marchait, j'allais lui refiler s'il en avait besoin. Merci encore une fois pour toutes ces infos sur comment le fonctionnement de Twitch, qui est un peu opaque pour moi effectivement. Donc je comprends mieux cette histoire de partenariat. Mais voilà, au moins maintenant je saurai de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous en dire plus quant aux déjections de cet animal? Non, je suis pas sûr qu'il déjecte. Il a que trois pattes déjà, je sais pas, voilà. Si, il pourrait peut-être avoir un petit trou du cul ici, mais je sais pas, ça me paraît compliqué. Oula. Bref, je sais pas ce qu'il mange, on n'a pas décidé de ce qu'il mangeait. Moi j'imaginais bien une créature hyper légère, du genre, tu pourrais limite la transpercer avec le poing tellement elle serait fragile. Et je l'imagine venir d'un monde où il y aurait des espèces de créatures flottantes dans le ciel comme des méduses célestes, tu sais, des trucs qui se gonfleraient un peu comme des ballons d'hélium et qui flotteraient en l'air, et puis il y aurait ce gros truc qui leur courrait comme ça lentement après et qui les avalerait et qui se nourrirait du bon gaz. Ça me paraît une belle histoire. Voilà, là ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je rajouterai quelques effets par la suite. Là, je vais m'attaquer. Au visage, entre guillemets, et aux pattes. Donc, pour ce faire. Avoue que j'aurais pu laisser la crête. Oh non, ça va être galère, je la ferai après la crête. Donc, oui, je confirme, il y en a encore pour un petit bout de temps, je suis lent. Comme les métroïdes, que sont les métroïdes? En fait, c'est lui qui laisse des chemtrails. Voilà, c'est ça. Le complot des chemtrails enfin révélé. Il mange des nuages. Bah peut-être. Peut-être oui, qu'il mange des nuages. Tiens, peut-être qu'il a un système chimique dans l'estomac qui lui permet de séparer l'oxygène et l'hydrogène. Et du coup, après, il utilise l'hydrogène comme combustible et l'oxygène pour accélérer la combustion. En fait, il fait une électrolyse. Bonne soirée, Sen Roger. Je ne sais pas si tu arrives ou si tu t'en vas, mais bonne soirée à toi, quoi qu'il arrive.
C'est pour l'hélium que j'ai du mal à imaginer où il se sert, me demande quelqu'un sur le chat. Mais comme je disais, là, dans le monde d'où il vient, on peut imaginer qu'il y a des espèces de bestioles pleines d'hélium et qu'il les mange. Ne pas oublier qu'il est en dehors de son élément. Et ça y est, on est revenu. On est revenu aux blagues de Prout. Ça faisait longtemps, sur le chat. On ne parle plus que des flatulences du monstre. Bravo, hein. Le plus vieux gag du monde. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment à une conversation qui est à pile à mi-chemin entre la conversation sur la chimie. J'ai quelqu'un qui m'explique que le dihydrogène est plus léger qu'air et la blague de Prout. Mais vraiment pile à mi-chemin, c'est-à-dire on a les deux. Il y a quelqu'un qui dit, ah bah il proute des chemtrails, et juste après, il y a quelqu'un qui explique, alors je pense que si on parle de densité de gaz, machin truc, vous avez atteint une sorte de point assez étonnant. Alors non, je veux pas que les pattes fassent la même couleur que la tête, donc je vais aussi virer les pattes de la sélection. Allez, zoup là, on vire les pattes. Donc là, on a son visage, entre guillemets. Et je vais essayer de lui mettre une couleur un peu moins violente que ça. Voyons voir en rouge, en produit. Mais alors là, on voit plus rien du tout. Ah, mais si, c'est bien ça. Voyons voir si j'arrive à trouver une meilleure solution. Non. Ah, non. Peut-être. Je garde densité couleur moins. Bork, c'est violent ça. C'est en incrustation que c'est encore le mieux. Hein. Alors. Voilà, je voulais que le monstre ait comme ça une tête un peu rougeaude, rougeaude, rougeaude. Voyons voir un peu de loin ce que ça donne. Les dents. Ouh, ça c'est violent. Encore une fois, là j'utilise une technique dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire que plutôt que de chercher manuellement la couleur, pour être sûr qu'elle s'intègre avec l'image, je vais chercher une couleur qui est dans l'image. C'est-à-dire que là je voulais lui faire des dents à peu près blanches. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui est blanc dans la photo? Et ben il y a les nuages. Et les dents à l'ombre, du coup, si elles sont blanches, elles devraient avoir à peu près. Je dis bien à peu près cette couleur, parce qu'évidemment, après, une dent ne se reflète pas de la même façon que, ne reflète pas la lumière de la même façon qu'un nuage, mais ça peut nous donner un indice de couleur. Et ça m'apprendra à fermer mes traits. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crois que mon pot de peinture a une tolérance trop haute. Et du coup, il voit pas le trait noir, il voit l'ensemble des. Il voit l'ensemble. Il voit. Mon pot de peinture a une tolérance trop grande, donc il voit l'ensemble de la couleur, là, du brun et du noir, comme une seule couleur, j'ai l'impression. Voyons voir ce que ça donne de loin. Ouais, c'est un petit peu trop lumineux.
vers le milieu. Un truc un peu comme ça. Voyons voir. Il lui faudrait une queue pour s'équilibrer. Non, une queue fine et longue pour contraster avec sa bouille pierrique. Bah, et c'est un tripode, hein, donc techniquement, il doit être stable, hein. Trois pieds, c'est ce qu'il y a de plus stable, je crois. Faut pas choisir le multicalque pour le pot de peinture. Il y est, non? Il y était le multicalque. Voyons voir. Ouais, tous les calques, il y est. C'est simplement qu'il a une tolérance trop grande. Si je baisse la tolérance, à mon avis, ça marche. Ouais, voilà. C'était juste une histoire de tolérance. Alors. Petit reflet sur les dents. Je sais pas si je fais un calque séparé pour les reflets cette fois-ci, je crois pas que ce soit bien nécessaire parce qu'ils vont être assez discrets. Je voudrais qu'ils brillent un peu, mais pas trop. Un truc un peu comme ça, juste un tout petit ray de lumière et la crête d'une autre couleur, plutôt vers le mauve ou carrément vers le mauve. Je déteste le mauve, c'est une couleur que j'ai du mal à utiliser. Il paraît que quand on demande aux gens, statistiquement, c'est la couleur que le moins de gens aiment. Enfin, le violet mauve comme ça. Hop. Ah oui, alors maintenant j'ai tout fucké la. Voilà, la tolérance, c'était bien ça le problème. Bon, on va garder comme ça. Oula, alors là, ça débat à fond sur les systèmes des plateformes et sur est-on volé sur les plateformes ou non. Est-ce que tu pourrais me décrire le monstre, couleur, forme? Parce que j'écoute le live et j'ai toujours pas d'image. Sérieusement? Mais c'est bizarre quand même. Eh bien écoute, c'est une sorte de gros monstre patatoïdal sur des très longues pattes arachnéennes. Il en a trois, ce qui en fait un tripode. Il a une sorte de crête de coq sur la tête, pour l'instant mauve mais qui va changer de couleur. Et des espèces de picots tout le long du dos qui se terminent en grappes sur son petit cul moulé. Et à vue de nez, il fait un bon kilomètre de hauteur. Si ce n'est plus. Ce gros troll sur le violet, Team Mauve, me dit Chrysalia. Je savais pas qu'il y avait une Team Mauve, je suis désolé de l'avoir offensé. Bon, bah, on a des fans de cette couleur violette. Ah zut, je pensais que j'étais encore sélectionné. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais?
Comment c'est déjà? Ça y est, j'ai oublié comment il fallait faire. Ah, c'est contrôle-clic, voilà. Le gros débile. Mais c'est bien, j'apprends mes leçons, hein, vous voyez. Le coup du petit clic pour sélectionner tout le calque. Et j'adore le mauve, me dit quelqu'un, c'est aussi la couleur du demi-deuil. Oui, j'avais appris ça, que symboliquement, le mauve était, étant la dernière couleur avant le noir, c'était la couleur quand s'éteignent les couleurs, en quelque sorte, et que ça symbolisait du coup le deuil, enfin, le demi-deuil, et la fin de vie. Je suis désolé pour toi, je sais pas quoi te dire parce que j'ai l'impression que ça marche pour tout le monde sauf pour toi. Donc je suis pas sûr que je puisse faire quoi que ce soit pour t'aider. D'où est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que ça serait lié à ça? Es-tu au Québec? Es-tu en France, en Europe, en Australie? Boulet, as-tu déjà essayé de travailler avec des logiciels de 3D? Oui. Renaud, mon ami Renaud dont je vous parlais tout à l'heure, le dessinateur de Aquablum, avait fait un stage. Il m'avait montré quelques trucs sur Maya quand lui-même était en train de l'apprendre. Donc ça remonte à il y a 15 ans. Et j'avais un peu essayé et je m'étais beaucoup amusé. J'avais fait mon personnage de l'époque, Ragnarok. J'ai perdu le fichier depuis, hein, je ne sais pas où il est, mais si un jour je le retrouve, je vous montrerai. C'était très très moche, hein, j'avais fait n'importe quoi. Mais je m'étais beaucoup amusé. Et après, je m'étais dit, et c'est beaucoup trop long à faire. Et donc, j'ai pas réitéré. Mais sinon, j'utilisais Bryce, quoi. Ce qui maintenant doit faire bien rire. Mais quand j'étais aux Arts Déco, je te conseille de regarder, si tu ne l'as pas vu, le film que j'ai posté sur YouTube, qui s'appelle Milky Rider. Et tu comprendras tout mon rapport à la 3D. Je pense que ça résume toute ma carrière en 3D. Et honnêtement, c'est un chef-d'œuvre, il faut le voir. Dans celui que je veux essayer, là, je vais m'y mettre dès que je. Enfin, je vais m'y mettre. Le vœu pieux, comme d'habitude. J'aimerais bien essayer à l'occasion. C'est celui-là où il faut faire de la pâte à modeler, j'ai oublié son nom. Où on peut modeler les formes au lieu d'utiliser des grillages et des trucs de 3D, là. Qui est hyper connu là, mais je sais plus comment il s'appelle. Vous allez me le dire 2000 fois, je pense, dans 4 secondes. ZBrush, je crois que c'est ça. Non, je confonds. Si, c'est ça. C'est ZBrush, le truc où on modèle. ZBrush, voilà. Les 2000 ZBrush arrivent. Bonsoir Boulet, bonsoir le chat, me dit Linma. Bienvenue Linma, bonsoir à toi. Nous sommes encore 104 à cette heure tardive de 3 h du matin. Bienvenue à tous les insomniaques et à tous les Québécois. Alors, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que ça avance bien. Comme j'ai dit, je ne veux pas qu'il ait trop de détails parce que de toute façon, il va être noyé dans la brume atmosphérique. Donc, c'est pas très utile d'y aller pendant des heures à faire tous les petits poils. Autant dire que là, on approche de la fin. En fait, comme je disais tout à l'heure quand j'ai commencé la couleur, c'est très difficile d'imaginer comment la lumière pourrait réagir à ce personnage à cette altitude, parce qu'en fait, c'est une vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et il y a des phénomènes assez bizarres à cette altitude avec la lumière que j'ai déjà remarqué.
Notamment, je sais pas, ça doit être lié à l'humidité ou à l'épaisseur de l'air, je ne sais pas comment dire. Mais souvent, quand on regarde comme ça le ciel depuis un avion, on voit le dessus des nuages éclairés et des endroits en dessous où on se dirait, mais ça devrait être éclairé aussi par les rayons du soleil. Ça fait comme si l'air était légèrement opaque et on voit tout ce qui est en dessous des nuages va être beaucoup plus sombre que ce qui est au-dessus. Mais même les zones où il n'y a pas de nuages, quoi, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il y avait une sorte de soupe, comme ça, d'obscurité. Et comme ça, dessiner des phénomènes atmosphériques qu'on voit à cette altitude, bah c'est très contre-intuitif. Quelqu'un me fait. Et la voix de Boulet est super agréable à écouter. Merci beaucoup. Écoute, je vais essayer d'être particulièrement suave pour toi. Donc voilà, ça c'était un peu l'étape de travail que je voulais atteindre. Je vais quand même rajouter un ou deux petits reflets pour bien faire, mais juste dans les yeux. Comme si quelques rayons de soleil se reflétaient sur ses yeux, mais là c'est trop gros. Il faut vraiment que ça soit un peu juste le Saint-Laurent comme ça qui se reflète. C'est bien que je sois en train de faire un truc. Comment dire que je sois en train d'être sur une photo du Québec en ayant respecté un peu l'horaire québécois pour la diffuser. Quelqu'un me dit, c'est pas la profondeur atmosphérique. Si, si, c'est exactement ça. Mais elle est contre-intuitive. C'est-à-dire, c'est peut-être parce que justement, la profondeur atmosphérique, elle marche aussi en hauteur. Et du coup, c'est peut-être pour ça, mais y a ce côté aussi où on a l'impression de pouvoir presque voir les couches d'air. C'est-à-dire, là, on le voit sur cette photo, quoi. On voit que tous les nuages sont sur le même plan, et on a l'impression de pouvoir voir deux couches d'air de couleurs légèrement différentes, je sais pas comment dire. Et donc voilà, il lui faut une ombre dans le fleuve, et j'allais y venir, justement. Et ça, par exemple, c'est un truc aussi qui est très difficile à gérer. Parce que je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça se gère. Parce que normalement, il lui faut un reflet, mais regardez ici, même les buttes, même les montagnes un peu plus, enfin, c'est pas une montagne, mais c'est une butte, ben, elles se reflètent quasiment pas en fait. Si vous plissez les yeux et que vous regardez de loin, vous voyez un peu la zone plus sombre comme ça, mais il n'y a pas de reflet net en fait à cette hauteur-là. Je pense que c'est lié à la texture des vagues qui réfléchissent dans toutes les directions. Et ce fait qu'en fait, c'est pas une surface lisse, mais l'eau, elle, à cette hauteur, elle se comporte comme une surface un peu dépolie. Sauf quand on est quasiment à la verticale, où là, on voit des reflets. Mais il y a pareil, ici, il y a un truc très contre-intuitif. Là, c'est presque comme des reflets sur du métal et pas vraiment sur un miroir. Mais bon, on va essayer quand même. De toute façon, oui, je pense qu'il faut que un moment, ici, sa patte, en tout cas, interrompe un tout petit peu le reflet. Mais ça va venir tout à la fin. Pour le moment, je m'occupe d'abord du monstre. Mais voilà qui est fait. Je voudrais faire une tentative en fait. Alors, boum, on va le mettre dans un groupe. Et on va mettre ce groupe. C'est juste pour voir si, comme ça, s'il se perd par exemple en termes de saturation comme ça, est-ce que ça marche? À peu près, hein. Je pense qu'il va falloir faire un truc progressif. Donc, comment faire? Ça marche pas, ça. Hein. Je voulais sélectionner ça plus le trait, mais évidemment, on ne peut pas. Je vais tenter un truc. Je vais les garder séparés et je vais en faire une copie où ils sont fusionnés. Comme ça, je peux effacer ça et les garder quand même. C'est un peu barbare, hein, désolé. Et comme ça, là, je peux tout sélectionner. Et on va faire un masque. Et puis, il y a des nuages au-dessus de l'eau. Peut-être de l'ombre sur la surface des nuages. Ah, vous recommencez à me troller, ça faisait longtemps. Oui, je vais essayer d'ajouter ce genre de petits détails. Alors, là, je vais rajouter un masque
par-dessus le monstre pour vraiment le désaturer à mort, pour voir ce que ça donne. Comme ça, et on va... là, c'est vraiment pas beau. Voyons voir. Suis en train de réfléchir, hein, à comment faire. Alors, du gris. À mon avis, il faut que je change de mode. Un truc un peu comme ça. En fait, ce gris est trop gris, je pense. Il faut le saturer un peu en bleu, en ça, quoi. Est-ce que je peux piocher les couleurs là? Non, évidemment. Mais ça, c'est pas mal en fait. Un gris un peu bleuté comme ça. Je regarde sur la partie haute, ça me paraît pas trop mal. Ça manque de clichés, tu pourrais rajouter une poutine et du sirop d'érable. Ah, farf, farf. J'ai lu un article il y a quelques jours comme ça sur les... sur justement l'agacement des Québécois par rapport au fait qu'on leur fasse toujours des blagues très condescendantes. Et sur les articles de journaux qui, à chaque fois qu'ils parlent du Québec, mettent un tabarnak en titre. Et ça, je suis complètement d'accord. Et la journaliste disait, ça m'a fait beaucoup rire, elle disait, mais imaginez qu'on commence tous les articles sur la France par putain de merde. Moi, j'étais assez pour, mais je trouve qu'elle avait, elle avait, comme on dit, comme ils disent, elle avait un point. Et donc, je pense que ça doit être épuisant d'entendre toujours les mêmes blagues. Ok, là, je suis bien sur le... Oui, je vérifie que je suis sur le bon calque. Ah, ça, j'aime bien. Et ça... Voilà, là, on cause. Moi, je voyais des couleurs froides. À cause de l'hélium, je sais pas pourquoi. Alors, quand je lis vos commentaires en même temps. Pimax disait quelque chose. Ah, je pense que vous parlez du fait de travailler la nuit, mais je suis pas sûr. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le fait de travailler la nuit. Oui, moi j'aime bien aussi travailler la nuit pour avoir beaucoup moins de distractions. Effectivement, ça aide beaucoup à se concentrer. Eh ben voilà, là on cause. Ça va faire quelque chose comme ça en fait. Alors, petite désaturation ici qui va bien. Et là, on va faire un petit... Alors là, c'est un peu trop violent quand même. C'était mieux avant. Voilà. Et pas trop. Ça commence à me plaire. Et voilà. Très concentré là d'un coup. Donc ouais, là ça va aller pour le monstre, je pense. Maintenant, voyons voir. D'ailleurs, je vais essayer un truc. C'est tout simplement... Non, c'est dommage s'il est transparent. Je me demandais si j'allais pas le faire un tout petit peu transparent pour lui donner un petit air fantomatique. Mais ça marche pas trop. Même un tout petit peu, c'est trop. On va le laisser à 100%. Ok, là j'aime bien. Ça me convient. Alors maintenant, on va essayer de faire les... C'est le moment où je fais une copie de la photo du fond parce que je vais essayer de tripatouiller cette photo pour rajouter des effets. Là, par exemple, je vais essayer de rajouter... Oh, ça va être dégueulasse. Oh, que c'est dégueulasse. Ok. Hop. Ça va pas du tout m'arranger cette histoire. Non, c'est vraiment pas beau de mettre l'ombre.
Je pense qu'il faut que je fasse un petit truc comme ça et tous les calques. Ça va vraiment être galère cette histoire. On va essayer autre chose. Alors déjà, ouais, ça c'est mieux. Pas du tout. Excusez-moi, là je tâtonne un peu, hein. Je suis en train de chercher un moyen de rendre la réflexion du monstre dans l'eau sans vraiment la rendre, parce que je veux que ça soit très transparent. Je pense que ça ferait un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Ça n'irait pas de copier le monstre en inversé sur l'eau puis de faire une distorsion? Non, pas du tout. Je pense vraiment pas. Je pense pas que ça fonctionne comme ça en fait, à ces échelles-là. Je pense que là, tu vois, on est sur du reflet extrêmement flou, extrêmement. Là, en plus, c'est à travers des nuages, tu vois, donc c'est un peu. Si si je fais le monstre à l'envers, ça va faire vraiment kitsch en fait. Je pense que non, il faudrait normalement il faudrait que ce soit à peu près de cette couleur-là, mais ça marche pas. C'est pas facile. Parce qu'il y a l'effet d'éblouissement du soleil, tu vois, qui doit revenir. L'ombre, elle peut pas être très sombre parce qu'il y a le soleil qui éblouit. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Et donc non, vous êtes plusieurs à me proposer cette solution, mais non, moi je n'y crois pas une seconde. Je pense que ça va faire très kitsch. Je pense que l'ombre du monstre, elle se voit à peine en fait. Vous voyez, toutes les ombres là, elles se noient dans une sorte de on voit pas grand-chose, de c'est mélangé. Donc je pense que l'ombre, le personnage, il laisserait pas une ombre noire, quoi. C'est pas possible. En revanche, il y a peut-être un moyen d'utiliser quand même ce principe-là. Je réfléchis à un truc là. Voyons voir. On va se mettre en mode de. C'est bien, c'est un défi. On va se mettre en mode. Hop. Pourquoi je suis. Ah, je suis pas dans le bon outil. Voilà. On va se mettre en mode calque. Alors, déjà, le soleil est là. Donc, l'ombre, elle va partir, elle va faire quelque chose comme ça. Et elle va être vraiment hyper longue. Normalement, ça devrait être un truc comme ça. J'essaye un truc, hein. Vous affolez pas, ça sera pas rouge. Là, ce que je fais, c'est pour ceux qui connaissent pas Photoshop, c'est je délimite en fait une sélection. Et là, le problème, c'est qu'en plus, j'ai vraiment pas du tout d'exemple sur lequel m'appuyer, c'est-à-dire. Il n'y a absolument rien qui, à part une montagne, il y a rien qui fait cette taille-là et qui pourrait être dans le même éclairage pour avoir de la doc, quoi. Donc là, on est vraiment.
faut essayer d'imaginer ce que ça pourrait être, mais... Alors, Shadow Huntress, oui, c'est bien là mon problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense pas qu'il puisse projeter d'ombre, sauf au niveau des pattes. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en fait. Pour vous expliquer ce que je suis en train d'essayer de faire, parce que là ça doit être très cryptique, je suis en train de faire une sélection qui représenterait l'ombre s'il était au niveau du sol en gros. Donc ça c'est son ombre s'il était au niveau du sol. Sachant que au-delà d'une certaine hauteur, son ombre elle doit être très diffuse. Donc ce que je voudrais faire, c'est déjà voilà, avoir cette ombre-là. L'adoucir au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ses pattes, donc comme ceci. Mais là où ça se complique. Là où ça se complique, c'est que j'aurais aimé aussi la faire plus floue. Alors bon, ça on le fera après. On le fera en deux temps. Donc premier temps, on la voit de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Donc voilà, là on a une semi-ombre. Il y a quelque chose sur ce calque? Non. Alors on va nous appeler ombre. Qu'on va faire en noir. Et là, bim, voilà, maintenant vous la voyez. Cette ombre-là, elle est encore beaucoup trop forte, donc on la diminuera après. Alors, quelqu'un me demande, lequel de ces monstres as-tu mis le plus de temps à dessiner, ou plutôt sur lequel tu as eu le plus de mal? Je réfléchis, mais c'est pas facile. Il y en a que j'ai trouvé, il y en a qui m'ont déçu, c'est-à-dire j'avais une idée hyper précise, et en fait quand je le voyais après, quand il était fini, j'étais là, ah ouais d'accord, et sans plus quoi. Mais il y en a pas spécialement qui m'a donné du mal quoi. Alors, là ce que je vais faire maintenant, voilà. Donc là, tout est sélectionné en dégradé. C'est-à-dire que là, là c'est très sélectionné et là, c'est un peu moins sélectionné. Le dégradé, ici, représente en gros la violence de la sélection, la profondeur de la sélection. Je ne sais pas comment dire, l'intensité de la sélection. Donc nous allons faire ça et je vais la rendre floue. Atténuation. Je tente un truc, hein. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ça va peut-être être horrible. Mais j'avais envie d'essayer. Atténuation floue, et là on fout le flou à fond. Et je pense que c'est pas encore assez au niveau des pattes. Il faudrait que même au niveau des pattes, ça soit beaucoup plus rapide. Mais je pense que l'idée est pas mauvaise. Voilà, essayons comme ça. Flou. Flou gaussien. Alors, il se passe un truc que je ne comprends pas. Ah si, je le comprends. C'est dommage. Ouais, c'est qu'il comprend pas qu'il doit faire un peu flou. Il fait le truc flou et il le passe à 50%, c'est-à-dire qu'on voit toujours le dessin net en dessous. C'est un peu débile. Pas très... Tu me déçois un peu sur ce coup-là, Photoshop. C'est-à-dire le flou à 100%, il gère, mais le flou à 20%, par exemple, il sait pas trop ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il n'applique pas du flou à 20%, mais il met le flou à 20% en superposé à l'image. Alors, du coup, on va utiliser l'outil que je déteste, qui est l'outil Gougout. Pour continuer ici, voilà. Pour l'ombre, une référence avec de sombres immeubles, peut-être que ça peut vous aider. Alors attends, je peux pas
Là, j'ai qu'une fenêtre, donc je vais regarder d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel onglet bizarre? Voilà, Twitch. Ah, est-ce que... Zut, mais là, j'ai pas le chat. Tu peux me renvoyer le lien, s'il te plaît, Bouli Toqué. Alors, pour ça, il faut que le flou soit pas gaussien. T'es sûr que ça marcherait avec un autre type de flou? Je ne sais pas. Ça s'essaye, ça se tente, mais là, en fait, avec le, avec l'outil Gougout, je m'en sors. Ah oui, mais là j'avais mis une photo moche, c'est pour ça aussi. Là, c'est pas mal. Alors, Bilou Toqué, merci, je regarde tout de suite. Est-ce que ça m'aide? Alors, ouais, non, ça m'aide. Je vois ce que tu. Oui, si, ça m'a. Alors, déjà, là, on est beaucoup plus bas, hein, ces immeubles. Je crois qu'ils n'arrivent pas à la hauteur. Ils arrivent même pas à la hauteur de la première articulation du monstre. Hein, Là, les immeubles que tu m'envoies à cette hauteur-là, je pense qu'ils sont là. Hein. On est vraiment très haut là, hein, je crois. Je me rends pas compte ce que c'est, ça. C'est des champs. Ah non, ça. Ah oui, non, ça c'est une petite route en fait. On est moins haut que ce que je croyais. Ces immeubles-là, ils doivent avoir. Ouais, bon, ils doivent être à cette hauteur-là, quoi. Donc là, tu vois, là on voit déjà les ombres qui deviennent un peu floues dans la mer, dans la photo que tu m'envoies. Mais là, je crois que je tiens le bon bout. Hein. Je tiens le bon bout. Donc on va rester là-dessus. Je vais remettre un flou maintenant que j'ai plus de sélection pour voir ce que ça donne. Hop, un léger. Peut-être. Après, peut-être rajouter un tout petit peu de couleur, peut-être. Mais là, j'aime bien. Là, ouais, ça me convient pas mal. En plus, j'aime bien parce que ça interagit avec le nuage, du coup. Voyons voir en mode produit ce que ça donne. Ça donne exactement la même chose. Et en moins de pourcent. Ouais, là j'aime bien. En fait, je vais le garder comme ça. Maintenant, dernière étape. Regarde le lien. Oh, merde, pardon. Désolé pour le bruit. Quelqu'un me dit, regarde le lien avant celui de Bouli, c'est le Burjica. Ça fait 600 mètres de haut. Alors. Voyons voir le Burjica. Ouais, c'est vrai. Alors, le problème, c'est que là, on est sur une ombre très rasante dans une atmosphère qui a l'air assez sèche. C'est-à-dire que nous, il y a des nuages en plus et on est à contre-jour. Là, on n'est pas à contre-jour. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des ombres très très hautes, effectivement, mais je pense pas qu'elle sera aussi nette à cette distance. Enfin, il faudrait pouvoir être là-bas tout au bout de l'ombre de l'immeuble que tu montes pour voir à quel point elle est moins nette que l'ombre au début, en fait. Bonne nuit à toi, Gamamoto. Bordel, le bruit, la crise cardiaque, je suis désolé. Donc voilà, maintenant je vais passer. Là, je vais garder ça comme ça, hein, de toute façon. Là, c'est bon. Je pense que ça colle et c'est l'essentiel. Il faut que ça soit crédible, après que ça soit juste, c'est un autre problème, mais moi tant que c'est crédible, ça me va. Je vais peut-être tenter quand même un petit coup de ce que je faisais tout à l'heure, là, de baisser la saturation, là, comment dire? Bon, déjà, on va foutre ça à la poubelle, hop, ça, ouais, ça me paraît pas mal. Voilà, là, ça me plaît. Bonne nuit, Pierre Lapin. Mais écoute, là je la vois en petit, en plus la photo sur ma tablette, et je trouve que ça rend pas trop mal. Et comme en plus il est bientôt 3 h, il est 3 h 30, je vais peut-être en rester là. Mais il me reste encore un petit détail à faire, qui est... Ok, alors c'est chiant ça. Qui est... de tout salir avec une brosse floue. Voyons voir où est le monstre.
Bim, voilà. Alors là, je sélectionne la silhouette du monstre. Modifier, dilater. Je mets une petite marge autour. Non, un peu trop grosse la marge autour là. Sélection, modifier, dilater. Allez, mettons 2. Ouais, là, c'est vraiment une toute petite marge autour. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout salir. C'est-à-dire mettre du gros pinceau blanc par-dessus. Ce fichier a-t-il été sauvegardé une fois? Maintenant, oui. Et je vais utiliser une brosse un peu dégueulasse comme ça pour mettre du blanc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas me mettre du blanc? Ah, mais c'est parce que je suis pas sur le bon outil. J'étais sur l'outil densité. J'étais sur l'outil petite main. B. Hop. Referme-toi. Hop. Voilà, c'est bouli toqué, tu as deviné, c'est pour l'effet à travers la vitre. Donc on va avoir des espèces de salissures comme ça. Non, il faut aussi que ma gomme soit crado, sinon ça va pas marcher. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des zones plus claires et plus sombres? Ça fait une espèce de coulure comme ça, j'ai l'impression. C'est difficile à voir. Hop, encore un petit coup de blanc. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Et maintenant, opacité très basse, mais juste pour qu'on voit un petit flou. J'aurais beaucoup utilisé le flou. Hein. Normalement, je l'utilise très rarement, mais là, sur ce monstre en particulier, il y aura eu du flou. Et le petit effet de vitre. Et ben voilà, il est beau comme tout. Enfin, je trouve. Il manque peut-être. Ouais. Il manque un tout petit peu de modelé. Je regrette un petit peu qu'on ne perçoive pas mieux le volume du monstre. Il est un tout petit peu plat. Mais je pense que je pourrais pas faire mieux là tout de suite. Je vais tenter un dernier petit truc au cas où. Mais je pense que c'est de la gourmandise. On va essayer. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors, déjà, il faut que je resélectionne juste ce calque, je pense. Voilà. Faites pas attention à moi, hein. J'essaie juste un dernier truc. C'est très léger, mais je trouve ça mieux. Ça donne un tout petit peu plus de volume comme il faut. Avec son poids, il ne devrait pas y avoir des crevasses au bout de ses pattes. Alors si, mais on avait défini que c'était probablement un monstre très très léger. Donc non. Hop, je vais laisser. Ça, c'est vraiment pour le. Comme la qualité de la photo à contre-jour est toujours un peu pourrie, je rajoute un petit bruit, un petit flou gaussien minuscule. Voilà, juste pour faire cet effet un petit peu de petites taches floues comme ça. Il faut que ça se voit à peine. Voilà.
C'est vraiment pour dire que ça y est. Est-ce que ça colle avec le reste de la photo? À peu près, hein. Bim bim. Bon ben voilà, on va dire que c'est bon, on va pouvoir aller dormir les enfants. Des petits rayons sur le haut comme au début. Non. Non, non, là je pense qu'il faut vraiment plus y toucher. Je pense qu'il est pas mal. Je Fabulique nous dit, je reste convaincu qu'il lui manque un anu. Eh bien oui. Ben ça sera pour une prochaine fois. Promis, la prochaine fois je te ferai un monstre avec un trou du cul. C'est faux, je ne ferai pas ça. Eh bien voilà, on va pouvoir aller dormir. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier Twitch de la saison, puisque je ne sais pas quand je vais pouvoir en refaire. Mais dès que je suis réinformatisé, je vous tiens au courant et je vous dis, j'amène avec moi de quoi en faire normalement. Donc, dès le moment où j'aurai un ordinateur, a priori, je pourrai en faire. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Et bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est au Québec, mais bonne soirée, journée à vous. Et c'est tout pour moi. Au revoir.